trompez pas de rencontre, vous êtes toujours au grain. Ah, il manque de récupérer un autre ballon. Allez, la bonne projection rapide. Entre autres, s'avance. Ah, il est passé cette fois-ci, pas de problème pour Núñez. Ah, à nouveau, ils ont ciblé l'axe du terrain, les joueurs de Norwich. En 3-4 passes, ils arrivent à créer un décalage. Vigilant, Ilyes Sarraj. À nouveau, elle manque un petit peu de justesse, cette passe de Mamadi Bangré. Une demi-heure de jeu. Ah, qui manque un petit peu sa passe. Dans l'intention, c'est un petit peu de précision. À Norwich qui attaque à nouveau avec Núñez. Récupération des Toulousains en milieu de terrain, mais ça se projette rapidement. Et là, les violets qui vont bénéficier de la faute pour Giannoulis. Núñez qui va changer de côté. Et le pressing et Dizulani qui. Ils parviennent à s'en sortir. Les joueurs de Norwich vont pouvoir se projeter à nouveau. Núñez. Pour aller chercher du monde devant, le bon contrôle. Récupéré par les joueurs de Norwich, le bon travail de la Madi, de Kylian Wattel également, qui est face à un joueur de joueurs. De l'autre côté, cette fois, il y a du monde au second poteau. Il y a Christian Mawissa dans l'axe. Il y a Bonota Traoré au premier poteau. Frappé second poteau, la tête de... Ah, ça prouve qu'il faudra être vigilant jusqu'au bout parce que sur un tacle manqué, derrière, les espaces sont vite trouvés. Nicolaisen qui va être trouvé, Cléris Herbert pour essayer de repousser le danger, mais ils sont partout pour l'instant les joueurs de Norwich sur cette fin de rencontre. Ce sont eux qui sont les plus dangereux et le score au tableau d'affichage n'est pas anodin. Le long ballon à destination de Giannoulis, ça reste dans l'air de jeu. Christian Mawissa au duel, il y a du score de jeu du jeune joueur de l'Académie toulousaine. Le long ballon à destination de Giannoulis, encore lui. Ça passe, c'était à destination d'Eddy Zuliani. Ouais, le travail, le bon travail à deux, les pitchouns qui vont arriver à récupérer le dernier dégagement. Contrôle de la poitrine un peu manqué par Cléris Herbert. Christian Mawissa pour Eddy Zuliani qui a du champ. Bonne couverture de victoire de Norwich City. 2-0. Deux buts qui se sont décidés dans le troisième tiers-temps avec Christian Fasnacht sur corner qui a ouvert le score.